Ok, est-ce que la sœur Siego Fokam Edwige Laure épouse Kamejo est là? Moi, je lis ce qui est écrit. Donc, la sœur Siego Fokam Edwige Laure épouse Kamejo. Elle dit, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour son immense grâce manifestée dans ma vie. En effet, en 2019, lorsque je suis revenu au Cameroun pour le deuil de mon père, ma maman m'a parlé avec insistance de cette église et m'a invité à prendre part à un culte ici à l'église. J'ai tout d'abord catégoriquement rejeté son invitation, mais quelques jours plus tard, j'ai cédé et j'ai décidé de la suivre ici un dimanche. Ce jour-là, pendant le culte, papa a déclaré à un moment donné que tous ceux qui voulaient racheter un vœu viennent devant afin qu'ils prient pour eux. Ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait, je me suis quand même avancé. Donc il y a les gens qui s'avancent ici, ça ne les concerne pas. Je me suis quand même avancé, papa m'a imposé les mains et il a déclaré « Maintenant, reçois la grâce du mariage ». J'ai été surprise par cette déclaration de papa car en ce moment, je n'avais aucun projet de mariage. Je voyageais de pays en pays, faisant les affaires, vivant dans la luxure et la débauche sans jamais penser au mariage. De retour à l'étranger, je crois que c'est ce qu'on veut dire, de retour à l'étranger, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Bon, si je dois lire ce qui est écrit ici, je pense que la personne était pressée. J'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui m'a demandé en mariage. Quelques mois après, nous nous sommes mariés, voir photo. En peu de temps seulement, j'ai réussi à me calmer, me responsabiliser et devenir une bonne épouse. C'est pourquoi j'ai voyagé pour venir rendre gloire à Dieu pour sa parole qui s'est accomplie dans ma vie. Tu te lèves, tu dis amen, tu prends le mariage. Donc tu as reçu la grâce du mariage. Et tu t'es calmé. Dans même temps, tu sais que tu avais la température. You were carrying temperatures. Et le mariage. Disaster. Ouais, laisse la jalousie, la dit amen, tu prends le mariage. Et où est ta maman? Elle est dans la salle. Ah, c'est ta maman là-bas. Ah, tu as la meilleure maman, tu es béni. Ouais, acclame, prends le mariage. Ah, toi aussi. C'est ta fille ici. Ah bon? C'est l'aîné, papa. C'est l'aîné. C'est l'aîné, papa. Ah, qui est? Oui. La grâce descend aussi sur lui. Amen, papa. Pour le mariage. Amen, papa. Hein? Amen, papa. Wow, c'est comme si le joug du célibat est brisé dans ta famille. Amen. Acclame le Seigneur, prends le mariage. Vous êtes bénis. La grâce du mariage descend.